Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Fernandez-Rioux et je vous parle en direct une nouvelle fois du World Data, du World Trade Institute, émanation de World Data, pour vous parler d'une formation un peu particulière puisque c'est une formation qui est basée sur l'optimisation d'un portefeuille long terme, ou dit autrement, une méthode OPL qui est en marge de ce que l'on fait habituellement, day trading, swing trading, puisque là on est véritablement sur de l'investissement long terme et cette formation s'adresse à cette catégorie d'intervenants qui sont les investisseurs long terme. Parce que tout le monde n'est pas day trader, parce que tout le monde n'est pas swing trader, eh bien nous allons voir ensemble comment construire ce portefeuille long terme. Vous pouvez être swing trader, day trader, et avoir en parallèle, c'est mon cas, un portefeuille construit pour un horizon de temps qui est véritablement, qui va au-delà d'une année, qui est généralement calé sur une construction, une enveloppe fiscale de type PEA, donc on est sur du 5 ans, du 8 ans, voire au-delà. Donc c'est véritablement du long terme, quelque chose qui est quand même actif dans le temps, mais c'est un temps qui est beaucoup plus long et qui a une approche un peu particulière. C'est ce que nous allons voir ensemble pendant 6 heures de formation, qui sont des formations donc en ligne, tous les jeudis de 18h à 20h à partir du 7 mars 2019. Alors pendant ces formations, nous verrons ensemble, eh bien évidemment, en début, les principes généraux, donc un petit peu de théorie, notamment les principes de construction long terme, la fiscalité qu'il y a, qui s'applique à ces enveloppes, les courtiers que l'on peut utiliser, que l'on peut choisir, et les produits adaptés. Nous verrons également ce qu'est, et ça c'est le cœur du système, l'approche value, l'approche sectorielle et l'approche géographique. Donc dit autrement, ce qui est un peu la base de la répartition des risques et qui nous permet véritablement de sélectionner les meilleurs potentiels. On verra également les fondamentaux qui impactent le long terme et pourquoi les fondamentaux sont beaucoup plus importants sur ces horizons de temps très longs que l'analyse technique, même si nous aurons une pincée d'analyse technique évidemment dans notre approche. La semaine suivante, eh bien, nous parlerons de l'approfondissement ensemble de cette approche value long terme avec la détection des potentiels, donc des cas pratiques, des entreprises, des sociétés que nous pourrions mettre en portefeuille par cette détection de potentiel. Et on verra la gestion du timing, car même si on n'est pas quelques jours près pour rentrer sur une ligne long terme, on verra qu'il y a quand même un timing à avoir pour savoir rentrer. La gestion du portefeuille au quotidien en elle-même, et évidemment le cas particulier des penny stocks, c'est-à-dire ces actions décotées, ces actions soldées qui cotent moins d'un dollar, moins d'un euro, et qui peuvent être parfois intéressantes à mettre en portefeuille. On verra également en semaine 3 eh bien, l'application concrète de tout ça, avec une fois de plus des détections de potentiel, donc des cas pratiques que nous verrons ensemble, un suivi de position, et puis évidemment, on est sur une entrée, à un moment donné il faut savoir sortir. Savoir sortir au bon moment, c'est aussi 50% du travail, et nous verrons ça ensemble. Nous verrons le benchmark, comment se caler par rapport à des indices de référence, et les retours d'expérience, ainsi que les débriefs. Voilà, donc 6 heures de formation en ligne, tous les jeudis de 18h à 20h, à partir du 7 mars 2019 ensemble, parce que derrière cette formation, il faut bien comprendre que au-delà évidemment des cas d'épargne salariale qui peuvent générer de l'abondement et qui peuvent être très intéressants, construire un portefeuille long terme, ça doit se faire avec des critères sérieux et une méthodologie qui est quand même adapté. Parce qu'on est sur du stock picking, parce qu'on est sur, on n'est pas sur du market timing au quotidien, on est véritablement sur une approche value long terme, mais une approche qui doit être décorrélée de tout sentiment et de toute émotion. Trop souvent, les gens dans leur portefeuille ont des sociétés, ont des lignes d'action qu'ils connaissent, soit parce qu'ils ont eux-mêmes travaillé dans ces sociétés, soit parce qu'ils connaissent des gens qui travaillent dans ces sociétés, et au-delà des bons tuyaux et au-delà du côté un petit peu affectif que l'on peut avoir avec une société, une construction de portefeuille, ça va au-delà
de ce que l'on décrit ici. Et c'est ce que nous allons voir ensemble pendant cette formation. Donc je vous propose de nous retrouver donc à partir du 7 mars 2019. Si vous voulez plus de renseignements, bah, n'hésitez pas à appeler l'équipe de World Data au 01 58 71 21 99. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.